Voici une activité simple pour faire parler vos apprenants et aussi pour se connaître. En groupe de 2 à 4, les apprenants essaient de trouver 5 choses qu'ils ont en commun. Ils peuvent se poser des questions comme « Est-ce que tu joues du piano? Est-ce que tu t'intéresses à la politique? » Attention, les choses qu'ils trouvent ne peuvent pas être des choses très simples. Par exemple, nous étudions le français ou nous mangeons chaque jour. Vous pouvez même imposer une catégorie pour faire parler plus sur un sujet. Par exemple, ils doivent trouver 5 choses en commun par rapport à la nourriture ou par rapport à l'environnement. Voici d'autres catégories. Après, les groupes partagent avec la classe ce qu'ils ont trouvé en commun. Et après, peut-être tout le monde peut essayer de trouver une chose en commun, même avec le professeur. Vous pouvez prolonger cette activité en ayant une discussion sur le fait d'avoir des choses ou non en commun. Vous pouvez par exemple discuter de ces questions. Est-ce que c'est important pour des amis d'avoir beaucoup de choses en commun? Quelles choses est-ce que vous avez en commun avec vos amis? Qu'est-ce que vous n'avez pas en commun? Et dans un couple, est-ce que c'est important d'avoir des choses en commun? Et pour une variation, les apprenants pourraient circuler dans la classe et trouver une chose en commun avec chaque personne. Allez sur mon blog pour découvrir d'autres activités pour un cours de français langue seconde ou étrangère.